À l'entrée du parc de la Garenne, on a retrouvé des mosaïques en fait. C'est ici que se serait trouvée une ancienne villa gallo-romaine avec des thermes, donc un espace assez important. Le parc de la Garenne, au départ, c'est une réserve de chasse. D'ailleurs, le mot Garenne en lui-même désigne un espace clos réservé pour le gibier du seigneur. Ensuite, ce parc de la Garenne, il va être allongé d'une allée de 3000 pas qu'on appelle l'allée des 3000 pas de la reine Margot. Dans le parc de la Garenne, c'est surtout le poumon vert de Nérac. C'est là où les habitants vont venir se promener en famille le dimanche après-midi. Mais c'est aussi là où on va avoir les Niraquais et les Niraquaises qui vont venir faire du vélo, qui vont venir faire un petit peu de jogging. Ils vont pouvoir venir s'aérer par le biais de cet espace vert. Au 19e, le parc de la Garenne va avoir quelques aménagements. On va avoir par exemple le théâtre de verdure. On va avoir également le kiosque qui va servir de lieu de bal et de guinguette. Et puis on va avoir aussi le chalet qui est juste à côté, qui sert d'abord comme débit de boisson et ensuite plus tard on va plutôt l'utiliser comme résidence pour le garde du parc.